Allez, on se retrouve pour un nouveau déballage. Toujours du Momox, toujours des paquets abîmés. Voilà, ça va commencer à ouvrir. Et on attaque. Ce coup-ci, exclusif The Doors. Je crois qu'il y a 6 CD, si j'ai bonne mémoire. Que du Doors. Donc si vous n'aimez pas Doors, eh bien, passez votre chemin. Ou alors vous allez découvrir. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti pour du Doors. Le premier, alors, bah, boîte explosée, mais le premier album des Doors, avec déjà d'excellents titres. Break on Through, elle est fabuleuse. The End, Light My Fire, bon, mais voilà, ça pose déjà les bases. C'est le pressage allemand. Donc, un boîtier cassé. Hop. Équilibré, très succinct, mais bon, il y a les titres et il y a une photo des Doors, comme ça on sait bien ce qu'on a acheté. Et je crois que j'ai toujours pas l'album vinyle, il me manque encore, donc déjà j'aurai le CD. Réédition de 88. C'est pas l'édition originale des années 70. Bon, très bien, ça c'est très bien. Deuxième CD, hop, avec un petit morceau qui vient avec. Waiting for the Sun, donc ça j'ai éliminé par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Hello, I Love You. The Unknown Soldier, qui est très bien. Spanish Caravan aussi, j'aime beaucoup. Il y a toujours des bons titres. Édition allemande. Hop. Le petit livret qui est un petit peu plus épais que l'autre. Donc, le roi lézard. Les paroles des chansons. The Celebration of the Lizard. Voilà. Bon, bien. Tac. Hop, le CD, Waiting for the Sun, très bon état, allez, hop, on complète. Ah oui, The Doors in Concert, donc ça j'avais le, je crois que c'est un triple vinyle que j'avais acheté à l'époque. Donc c'est un mélange de plusieurs concerts, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais je voulais avoir le CD qui va avec. Je ne voyais pas comme ça le CD. Je suis un peu surpris qu'il y ait une bande blanche. Je ne sais pas si c'est le. Je ne sais pas plutôt une bande noire normalement. Je ne suis pas sûr que ce soit le boîtier d'origine. Mais peut-être, hein. Peut-être. Hein. Voilà. Hein. C'est. Beaucoup de titres, beaucoup de bons titres. Roadhouse Blues, Gloria. Oh, Gloria elle est super. Light My Fire encore. Unknown Soldier, The End, il y a beaucoup de bons titres. Et puis les Doors en concert, c'est vraiment très bon. Hein, Jim Morrison était excellent en concert. C'est une compile de 1991. Donc ça ne me rajeunit pas. Et je crois que j'avais acheté à cette époque. Hein. Le vinyle, hein, je parle du triple album. Ah, il parle d'un double CD. C'est un double CD, ça? Il parle de disque One, disque Two. On va vérifier de suite. Ah oui, double CD. Ah oui, parce que je n'ai pas payé cher. Hein. J'ai payé 4€ ou un truc comme ça. Je pensais que c'était un simple CD même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres. C'est un triple vinyle, donc c'est un peu normal que ça soit. Ah ouais, c'est pour ça que c'est transparent, parce que c'est un CD qui s'ouvre. Ah ouais, on tac. Ah ouais, double CD. Alors ça, c'est sympa, à ce prix-là. Bon, je préfère les concerts complets, hein, forcément. Mais bon, là, c'est un peu une compilation de live. Ça passe bien. Ça choque pas le fait que ça soit plusieurs lives. Alors c'est bizarre quand même, cette présentation.
là, blanc. Mais bon, et pourquoi ils n'ont pas mis une photo là? Bon, je regarde sur l'édition comment elle se présente sur Internet. Ouais. Bon, chouette, bien. Allez, encore un. Ah, un petit live USA. Alors, il y a des lives USA de plein de groupes. Il y en a eu un paquet. J'en ai de Police, de Genesis, de Eurythmics. C'est des bootlegs d'origine allemande qui ont en général un très bon son. Donc là, c'est un des Doors. Hein. Il y a peu de titres. Light My Fire, Touch Me, When the Music's Over, The End, Moonlight Drive et Light My Fire 2. Donc il y a deux fois Light My Fire. Ça doit être. Ah oui, parce qu'il y a une version de 10 minutes 57 de Light My Fire. Donc avec ça. Et 12 minutes 48 When the Music's Over. Et 15 minutes The End. Ah ouais, bah, alors, on en prend pour. Voilà pour son argent, là. En durée. Ça, c'est des CD ou des cassettes audio, parce que c'est sorti aussi en cassette audio à l'époque, qu'on trouvait vraiment à pas cher. Et je crois que même maintenant, je pense pas que ça soit très coté, ça. La preuve, hein, j'ai touché vers les 4 euros sur mon Mops, donc voilà. Mais en général, le son est bon, et puis voilà, ça fait un bootleg de plus des Doors. Bon, ils mettent Recorded Live in USA, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Ça peut être des lives plutôt en Allemagne, vu que c'est un label allemand. Ils mettent USA pour tromper l'ennemi, je pense. Ah, un autre bootleg. Les Doors, toujours, live in Los Angeles. Là, on retrouve encore Moonlight Drive, Alabama Song, Horse Latitudes. Unknown Soldier, When the Music's Over, 5-2-1, Backdoor Man, The End, Moonlight Drive, Light My Fire. Et donc c'est extrait d'un show TV du 27 décembre 1967 pour deux des titres, mais pour les autres on sait pas trop. Ils veulent pas dire. Donc un live à Los Angeles, mais on n'a pas la date. Tac. Bon, c'est toujours de la pièce détachée, hein, c'est du puzzle, Mox. Bien. Normalement, c'est du bon son aussi, parce que j'ai dû vérifier avant d'acheter. Et dernier. Ah oui, c'est un maxi CD. Emballé, tiens. Bizarre. J'avais dit bizarre. Ok, donc boîtier est cassé, dommage. Break on Through, parce que je cherche le maxi vinyle. Et j'ai pas le maxi vinyle, et donc je me dis, ben je me suis rabattu sur le maxi CD, qui est pas très courant, et qui est. Ah, c'est dommage qu'il soit cassé, il est scellé en fait. Ah, je sais pas si je vais l'ouvrir, mais qu'il faut changer le boîtier, alors du coup. Ouais, il est scellé. On va l'ouvrir quand même, parce que bon, avec le boîtier cassé, c'est un peu dommage. Et je préfère changer le boîtier, même si c'est un peu. Allez, on va ouvrir. Et qu'elle a trouvé des maxi CD scellés 1991, c'est pas ce qui court les rues. Je savais pas que c'était scellé, c'était pas marqué. Voilà, ça y est, il a perdu toute sa valeur. Hop. Ouvrir. Break on Through, morceau vraiment que j'adore. Love Street, Hello I Love You, Touch Me. Break on Through, c'était un morceau à l'armée, quand on allait au mess, on était toujours trois potes ensemble. Et dès qu'il nous voyait arriver, le barman, il nous mettait Break on Through. C'était notre intro quand on arrivait, au bar du mess. C'était systématique. On arrivait tous les trois, la bande de potes, et on avait droit à Break on Through. Ça rappelle des souvenirs un peu à la con, mais voilà. Tac. Bon, et bien. Pareil, pressage allemand. Voilà. Mais de petits. Petit déballage, 6 CD, dont je suis très content, sur les Doors. Voilà, ça complète un peu
la collecte. Merci, à bientôt. Alors le bonus, ce coup-ci, c'est la cassette audio de The Doors Live USA. Donc qui fait suite à mon achat du CD, donc j'avais déjà la cassette. Et donc elle reprend les mêmes titres, mais pas dans le même ordre. Je pense que l'ordre a été modifié pour contenir sur la cassette, hein, face A, face B. Quand on regarde le CD, hop, on va mettre les deux sur la même... voilà. Donc Light My Fire est en face B sur la cassette, alors que c'est le premier titre sur le CD. Voilà, des choses comme ça. Sinon, c'est exactement les mêmes titres avec les mêmes durées. Donc on n'a pas grand chose de plus sur la cassette audio. Sauf d'avoir un petit complément sympathique au CD. Voilà. Tac. Et la cassette. Donc c'est toujours du pirate. Hein. C'est bootleg 100%. Tac. Voilà, c'était le petit bonus de la spéciale Doors. Merci.